Ils sont trop forts, ces enfants. J'ai donné 1h30 de danse, on va dire. Il y avait un peu de funk, il y avait peut-être un peu de house, du hip-hop, un peu de technique. Il y avait un peu de tout et franchement, c'était vraiment pas mal. Il y avait pas mal de monde, pas mal d'élèves. Et l'ambiance était bonne, ils sont arrivés encore un peu fatigués, mais avec la musique et tout, dès qu'on met un peu de funk le matin, la flamme elle prend, donc je pense que c'était vraiment pas mal. Bonne ambiance, rien à dire. La danse c'est du bluff, tu vois pas, tu prends. Non, le fond, ça va. Première fois que je participe à cet événement en tant que spectateur et en tant que jury. Donc je ne sais pas comment forcément ça va se dérouler, mais je trouve le concept lourd parce que ça permet de voir l'évolution des plus jeunes, de voir eux ce qu'ils comprennent, ce qu'ils arrivent à capter chez les plus grands, et rien de mieux que de voir des jeunes danser comme des grands. Je m'attends à voir chaud, quoi, tu vois. Je m'attends à de la chaleur, je m'attends à du bon niveau. Et franchement, j'espère que je ne vais pas réussir à juger, que je vais devoir faire les autres sélections. Ça va être vraiment difficile. C'est là que c'est intéressant. Voilà, j'étais bien. Il force, hein. C'est peut-être cliché, mais on s'en fout de gagner. Hein. Le plus important, c'est de fumer le cypher, tu vois. C'est ça le plus important. Si tu fumes le truc, pour toi, tu sais que tu as gagné. Voilà. C'est le seul truc que je peux vous dire, kiffer à fond. Et voilà, quoi qu'il se décide, porte un masque. Peace. Ça va chauffer. On avait tellement envie de pousser les murs, tu vois, mais à un moment on a essayé, non? On a essayé. Chaleur. J'espère que vous êtes prêts. Parce que ce qui va se passer, c'est vraiment, vraiment le feu. Vraiment le feu.